Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Nos auditeurs sont en attente, je n'en peux plus. Téléspectateurs en demande, images passées et repassées. J'en ai tant dit et redit, je suis perdu. J'ai usé de nos experts, de nos correspondants de guerre. Abusé des grands reporters, des sondeurs de sondages, commentateurs, menteurs d'images. Et sous leurs toisons lisses glissent des scies. Superposition de supposition, ils vont me mettre ma télé en bouteille. Donnez-moi de l'information. Ouais, c'est ça, les... Donnez-moi de l'information. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. L'actualité doit primer, rien ne peut l'arrêter, sauf publicité. On se retrouve après ça, mélangeons tout, tirons la chasse. Papier water, l'auditeur, coup de Trafalgar. Des voitures de luxe, des hommes en déroute. Des slogans qui frappent, chirurgical, opération boursière, bancaire. Comptage de morts qui monte et sort de l'audimat. Qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Des révélations impromptues pour mon prompteur abattu. Des débats animés, plein de manies et de tics journalistiques. Manichéens, et deux, et trois. Passant à l'heure, on se contente à titre d'un flot de superlatifs. À chaque instant son plus ceci, et chacun veut son plus cela. Et tous pour un et tous pourri, on simplifie, ça amplifie. Édition spéciale, édition spéciale. Une interview de l'homme qu'aurait vu l'homme qui n'a rien vu. Mais moi j'ai tout entendu, oui tout entendu. Oui 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 moi j'ai tout entendu. Tout entendu. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de préférence. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches en abondance. Donnez-moi de l'information, des nouvelles fraîches de toute urgence. Donnez-moi de l'information. Mais d'abord les prévisions de Joël Collado de Météo France. Une plutôt belle journée côté météo en tout cas.